écrit dans le Shabbat, c'est Amar Rabbi Yose. Yehe Chelki Migomre Alel Bechol Yom. Ah, puisse-je avoir une place, une part dans ces gens-là qui font le Halel chaque jour. T'as déjà fait toi le Halel chaque jour ou pas, Jérémy? C'est vrai? Mais t'as que tu fais tous les jours le Halel. Tous les jours. Eni! C'est quoi Eni? Jérémy, c'est quoi Eni? Vraiment? Ve'amar mar! Akore Halel bechol yom, dont le maître nous enseignait que celui qui fait le Halel chaque jour, a résé mecharef ou megadef. J'expliquais c'est quoi mecharef ou megadef. Megadef, c'est bizayon. Mikol mecharef, medvarim sheben anamnam, megadef mitzadadad veemuna. Donc, il dit mecharef, c'est humilier un homme. Comme on dit cherpa, ouais, cherpa, c'est l'humiliation. Ou megadef, c'est envers Hachem. Tu te moques, quoi. Tu méprises. Celui qui dit le halel tous les jours, il méprise. Arrêtez mecharef ou megadef. Alors comment tu dis, alvaï, que je fasse le halel, j'aimerais tellement faire partie de ceux qui font le halel chaque jour. Comment ça t'aimerais tellement? Et celui qui fait ça, il a écrit que mecharef ou megadef. Non, qui kamrinan bepsuke des imra. Dire tous les jours les psuke des imra, ça s'appelle gomre halel bechol yom. Gomre Alel Bechol Yom. Tu savais ça, Jérémy, ou pas? C'était Gomer Alel Bechol Yom. Alors, c'est manière que c'est intéressant que Rabbi aussi dit Ah, le vaille. Alors, moi, j'ai expliqué, je ne suis pas le seul, mais c'est contre ce que vous avez l'habitude d'entendre. Dans beaucoup de Rishonim, on voit que Psouke des Imra, c'est une takana de Gaonim. Alors, quand tu vois Mishnah Brura, dit non, c'est un pétek qui est tombé du ciel, un chiffre de cette là et tout. Tu connais l'histoire? Non, il n'y a pas un pétek tombé du ciel. Mais dans les Rishonim, on ne voit pas cette histoire-là. Hein. Ouais. Et donc, il y a un problème technique. Si vraiment c'est une takana d'un chiffre de cette ma pitom, que Rabbi Yose, il y a Alva et que je fasse tout qu'il y a des Imra comme ces gens-là. D'avoir une part de ceux qui font comme ça. Pas là de ton takana. Ouais. On voit également dans Maseret Yoma, les Kohanim. On présente ses couleurs de fila. Il commençait pas Baruch Hu, après il faisait Brachot du Kret Shema. Ouais. On voit nulle part la notion. Alors dans cette marée, on voit Psuke des Imra comme étant quelque chose que Rabbi Yossi, il est Shoef. Mais pas comme, dans les Mishnot de Brachot, on ne parle pas de Psuke des Imra. Dans l'ordre de la fila, ouais. Ça ne figure pas. On commence à Baruch Hu. On voit pas, c'est pas Mofia. Ouais, c'est super rapide. Bon, c'était rapide. Non, tu commençais à Baruch Hu, tu finissais au Valetion. Non, disons que ça on arrive à la même vitesse, mais avec des textes en plus. Même à la Noulé Chabert, pas tous les Ménagim ils font à la fin de chaque fleur. Ouais, pas tous les fonds de la Sina aussi. Ça, c'est toujours en courant. Mais puis Agassa. Comme ils ont créé une mitzvah de Psi Agassa pour le Shabbat, donc j'ai le droit de sortir de Psi Agassa parce que comment je vais faire le Shabbat sinon? Azak. Deuxième Gemara qui est par contre dans la Gemara de Brachot, je ne sais pas si vous connaissez cette Gemara. Tu as déjà fait le Brachot d'Avdalet Amoudbet, Julien? Azak. Amar Rabbi El Azar Amar Rabbi Avina. Kol Amer Telele David Bechol Yom. Shalosh Pa'amim Muftar Lo Shuben Alam Haba. Donc, on a eu cette mare ensemble qui nous a amené à faire le shiur du mardi. Ouais. Que tout celui qui dit trois fois par jour, Ashrei, ouais. Alors, il y a une marque locale dans la Gemara, est-ce qu'on dit, est-ce qu'il y a marqué Gimel Parmim ou pas? Et il y en a qui sont Gores Kola Omer, Télé David, Becholium. Gimel Parmim, c'est une marque locale dans les manuscrits du chasse. Donc, c'est les deux endroits ouais, où cette histoire-là de Psouké et des Imra figure dans le chasse. D'ailleurs, on a un problème, les Géonim, ils ont un problème, c'est que le Baruch Shahamar, il ne figure pas dans le chasse. Et normalement, ce qui ne figure pas dans le chasse, on ne fait pas de bracha. Et donc, c'est uniquement parce qu'il y a un minac de le faire qu'on peut faire. Mais chez moi, le coup de Baruch Shahamar, on n'aurait pas pu faire Baruch Shahamar. Parce que c'est écrit nulle part, Baruch Shahamar. Il y a marqué Gomri Halel, mais qui dit qu'on fait une bracha avant, après.
Ishtabar, c'est pas très grave. Ça c'est Ishtabar, ça figure dans. Ça figure quelque part Ishtabar ailleurs. Quoi? Alors justement, Psuké des Imra, c'est les cinq télims. Maintenant, Baor Shamar, c'est la bracha. C'est comme tu as une bracha pour le Hallel au début, et une bracha, ouais. À la fin. Alors, si Psuké des Imra, il y a un parallèle entre le Hallel que nous faisons et Psuké des Imra. C'est quoi le parallèle? Déjà, le premier parallèle évident, c'est une suite de télims. Hein. C'est pas comme Tikkun HaKlali. Voilà. Psuké des Imra. Ça s'appelle Gomri Halel. En réalité, tu finis le Sefer Tehilim. Ouais. Ouais. Ce que tu as, c'est le sium du Sefer Tehilim. De Kouf Mem E, Kouf Mem Vav, Kouf Mem Zayn, Kouf Mem Chet et Kouf Mem Tet, je crois. Pas Kouf Noun, hein, dans les Tehilim. Fini par Kouf Mem Tet, Marco Naron. Et pas Kouf Noun. Et donc, c'est la fin du Sefer Tehilim. Alors que Hallel, c'est avant. Le Hallel, alors, le Hallel que nous faisons à Pessah, et à Shavuot et à Rosh Chodesh, en partie, s'appelle le Hallel à Mitzri. S'appelle le Hallel à Mitzri. Bon, distinguer. Il y a le Hallel Bechol Yom et le Hallel à Mitzri. Comme ça, on l'appelle. Israël, Mitzraïm. Hallel à Mitzri. D'accord? Comment? Voilà, c'est le point commun. Hein. C'est une série de Tehillim qui se suivent. D'accord? Alors, pourquoi de dire le Halal à Mitzri, c'est Mecharef ou Megadef? Et pourquoi de dire Psuké des Imra, c'est pas Mecharef ou Megadef? Au contraire, c'est de Mahala. Ça, c'est la question. Vous me suivez ou pas? C'est quoi la différence? Alors, j'ai rapporté 5 réponses. Ils font la distinction entre ces deux séries de Tehillim. D'accord? Ah, il y a une troisième mara, excusez-moi, qui est utilisée dans le sujet de Psuké des Imra, qui n'est pas obligée de parler de Psuké des Imra, mais elle est utilisée, cette mara-là. Ouais? Il y a marqué Amar Rabbi Smalai, Leolam Yesader Adam Shvacho Shel Makom Bechakam Itpalel. Itpalel. Avant de faire ton Amida, il faut faire des Shvachim d'Akadosh Baruch Hu. Minala, mi Moshe, chez Neymar, Hachem, a Elohim, ata achilota learot et avdecha, vadar, et après il y a marqué, eberana veere et aret satova. Donc quand Moshe Rabbeinu a fait sa prière de rentrer en Eretz Yisrael, d'abord il a glorifié Hachem. D'accord? Donc il y a un enjeu de glorifier avant de demander. Alors, tu pourrais dire, on pourrait parler des trois premières brachot de l'Amida. C'est déjà une mara qui nous dit que les trois premières brachot, ouais, ça ressemble au Aïvet, Mshaber et Drabo. Ouais. Donc, Rabbi Tzemel, il semble nous apporter un autre enseignement que cette mara-là. Alors, justement, il y a les Rishonim, ils expliquent de quoi on parle de Psuké des Imra. C'est l'introduction à la prière. Le Jvar Hamakom, on l'introduit par Psuké des Imra. Et à cause de cette mara-là, les Géonim disent que celui qui a raté Psuké des Imra, ouais. Ah, pourquoi il ne serait pas gomré à l'aile même après la tfila? Mais quand même, faites gomré à l'aile. Mi amar lecha alifne. Mi amar lecha alifne. Rabbi Smalai. Donc il dit, quand tu as raté Psuké, tu dois le faire après, va bli bracha. C'est marloquette. Yeshurim, non, le cachou. Gam lifne, gam aché, c'est im bracha. On fera blinézer le sujet d'Alaha aussi dans les Rishonim. Achlamdou et Tagmara. On va essayer de faire le tour du propriétaire sur Psuké des Imra blinézer. Ouais. Les brachot. Il a fait mieux. Très jeune. Anim Kabel et Tatana. Anim Kabel et Tatana. C'est-à-dire, Julien a dit on peut accomplir déjà l'enjeu de Shaber et Hachem par les brachot du Kriyat Shema qu'on a mis à mort avant. L'Amida, Gal Israël, c'est avant l'Amida. Par exemple, dis-le comme ça. Je suis sommaire, Géola, les Tfila. D'accord? Oui, tu as raison. Mais ça ne répond pas à la question que si on dit que Psuké des Mizimra, c'est pour répondre à l'enjeu. Pourquoi on fait Psuké des Mizimra? Si c'est pour répondre à l'enjeu de Rabbi Smalai,
Pas que je suis. D'accord, je suis déjà quitté avec Gal Israël. Mais si on fait Souké des Imra pour répondre à l'enjeu de Rabbi Smalay, donc après la Tfilas, j'ai plus de raison de le faire. Que j'ai déjà accompli l'enjeu d'être Meshaber Hashem en faisant ma Tfila par Gal Israël. D'accord. D'accord. Mais pourquoi je dois faire Gomre Halel Becholiom? Si tu expliques que Gomre Halel Becholiom, ça se connecte à l'enjeu de Rabbi Smalay. Donc après, ça ne sert plus à rien. Si tu dis, bien sûr, si tu dis. Donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette. Est-ce que je peux faire après bra, à les psukim d'Ezra, après la tefila, ouais, après la tefila Bebrara, c'est pour ça qu'il y a une marloquette. C'est pas, Julien a tout de suite vu la brèche. C'est pas une preuve que je peux le faire qu'avant. Si on dit que psukim d'Ezra et répond à l'enjeu de Rabbi Smalay, qui dit, peut-être c'est autre chose. C'est un truc, une mitzvah à part, qu'on doit faire un moment dans la journée. C'est bon? Ça, c'est les trois Gmarot, les seuls Gmarot qui traitent directement ou indirectement de Psouké des Imra. Ouais? Rashi nous dit, dans le 1, Arezé, Mecharef ou Megadeth. Comment il explique la Gmara, Rashi? Vous voyez ou pas Rashi qui est dans le 1? On a 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, c'est Rashi. Pourquoi Bémet, celui qui dit le Halel à Mitzri, Becholiom ou Mecharef ou Megadeth, où il est mévasé, il y a un bisayon, dit chez Nevi'im, Arishonim, Tiknou, Lomar, Beprakim, les Shvar, Veodaya, les Nevi'im, Arishonim, ils ont institué de dire à des moments, les Prakim, pas tous les jours, les Prakim, à des moments, à des périodes, Prakim, c'est période. Ils ont institué à des périodes bien précises de dire le Halel. Et bien, Adrinan, Berbe Psachim, dans Koufu Zayn, dans Psachim, il y a marqué. Bézé a Koré Tamid, Bélor, Rita, et ceux qui le disent toujours, et que ce n'est pas au moment prévu, et non, il a que mes amers Shir ou Mitlotset. Il est difficile, Rachid. Comme celui qui est en train de dire Alléluia, se moque. Il y a Femmerd. Très très bonne question, Julien. Maintenant, avant de poser ta question sur Shir HaTayam, avant que tu places Rachid devant un cas compliqué, j'aimerais que tu m'expliques Rachid déjà. De quoi il parle Rachid? C'est quoi ce Eno qui est mesamer Shir ou Mitlotset? On parle. Tu es d'accord que c'est pas super clair? Tu es avec nous, Jérémy? Oui. Tu comprends le problème? Qu'est-ce qu'il veut dire, Rachid? C'est pas très clair, non? Arrêtez, mais Kharef ou Megadeth? Pourquoi ça parle de sa valeur, peut-être? Alors, j'ai mis dans la note numéro 3. Il y a Acharonim qui explique Rashi. On a le chou de Sitz Eliezer qui est Niftar il n'y a pas longtemps. Un des Gdolé Aposkim Yerushalayim. Mais Shamatim, il dit Arav Shlomo Toledano. Michem Gaon Ehad. Donc on a un pshat marocain. Ah non, je trompais, c'est dans la note 3. On va avoir un pshat ashkenaz. Un pshat algérien, même. Le Rajbat. Quoi, t'es marocain toi? Hein, comment? T'es marocain toi? C'est algérien à Korchia normalement. C'est ça, t'as vu, c'était ça la feinte. Koska, c'est quoi? C'est tunisien non? 100% de génération en génération. Mon cher Ouais, on sait. Comme Moshe Rabbeinu n'a pas mangé pendant 40 ans, hein, il gère bien. Tu ne tueras pas, tu Hazak, Alors. bon Hachem, c'est important de d'être heureux de ses souffrances. Donc, on ne disait pas que c'est débile, Jérémy, mais on essaie de lentement le fidéliser. Ouais. À lui, je rigole, bien sûr. Hein.
Alors, donc, on est dans le 3. Et donc, là, on rapporte un Algérien, un Korchia. Ouais. Il dit le Agada Shel Pessar, les Rajbats. C'est le grand rabbin d'Alger, Talmid Duran. Duran, il s'appelait d'ailleurs. Chez Katav, ou Mecharef Mugedev, chez nous, il a qui met Tsahek, qui van chez nos Corées auto Alnes. Il rajoute un élément que Rashi n'a pas dit. C'est clair que le Halel, on parle de Nissim là-bas. Betsaïd Israël, Mémitraïm. Et on est en train maintenant de faire un Jvar à une date commémorative. Il y a une date commémorative où maintenant, puisqu'on se replonge dans la date commémorative, ouais. Alors le fait de se replonger dans cette date nous implique quelque part de revivre l'événement que nous commémorons. Ouais. Et en revivant cet événement, donc on doit maintenant chanter, glorifier Hachem, qui est intervenu tout particulièrement en faveur de son peuple élu. D'accord ? Continue la note 3. Vénirez des misés des abiyur bedivré arachi ou kepchuto. Et qui vend de l'onassé l'onès, vécoré auto avec Emetzarek. Comme le mec qui dit, ouais, alors, par exemple, ah, j'ai eu un super NES et tout, tu te rends compte, il y a une voiture, elle a fait m'écraser, nanana, je raconte tout un NES. Un mec qui dit, ah, moi aussi j'ai eu un super NES et tout, je me suis brossé les dents et je ne me suis pas étouffé. Quoi? C'est-à-dire, quand maintenant tu viens maintenant chanter un NES qui n'a pas de NES, alors c'est-à-dire, alors, même quand tu vas chanter la date, tu dis, on a l'habitude, c'est la blague connue, quoi, le Hallel. Aïn Béchoud Sitzilézir, Véné Réchit, Aïn Bémidrash Talpiot, c'est un charon sympathique, le Midrash Talpiot. Il dit comme ça, chez Masbir Akavana, des Behéyot. Sha'alel Neymar al-Nissim, al-Nissim, Niglim. C'est des miracles des. Parce qu'il y a tout le temps des miracles, de toute façon. Mais là, on vient glorifier Hachem pour des miracles dévoilés. Bitsat Mitzrayim Vechadome. La Renze, She'omro, Becholium. Et chaque jour, c'est sûr qu'il y a des Nissim, mais c'est des miracles cachés, ouais. She'nes Nigle, Nirech, Kemitlotzez, Omer. Ani, Be'alelo, al-Nissim, Aniglim. She'asa, Be'yom Zenes. Veno et la Kemachal, Adam Omer, le Havero, Derch Litsanout, Anime Chabdecha, la Chassadim, Shekibalti Mimcha. Tu vois, Jérémy, je te remercie vraiment pour tous les cadeaux que tu m'as fait, etc. Je dis, ben, tu me foutais de ma tête ou quoi? Je remercie Hachem, ah, aujourd'hui, maman, je te remercie pour tous les Nissim, j'ai échappé belle et tout, un truc incroyable. Mais c'est pas vrai, il n'a pas fait ça, Hachem. Comprenez l'image ou pas? Et imken kevan sheno mekabel mimno chesed ou mechabdo veomro she mechabdo al shekibel mimno chesed ou mitlotzes mimno kach haomer alel bechol yom bli kabalat nes nigle ou meforsam areu ke mitlotzes ke medubar ve'en lo chachiru ve'giduv gadol mize. Donc j'expliquais dans le titre du 1, donc j'expliquais le 1 d'après ces explications de Rashi, mi she meshabear et Hashem al anisim bechol yom. Vous voyez le 1 en caractère grave. Mi shemeshaber et Hashem al anisim bechol yom. Aval pi shelo kara lones meyuchad. Il arrive rien chaque jour, il arrive rien de particulier. Keilu omer shekemo shelo kara yom nes. Gam beyamim shechayvim lomar alel lo kara nes leIsrael chazé shalom. Il y a inan aussi, ouais. Il y a inan de alel ananes, nachon. Il y a une bracha aussi. Le makom azé. Bon, ce sujet il est compliqué. Je veux dire, Julien, j'ai étudié un petit peu Beyoun. Je n'ai pas fait le sujet, mais quand j'étais jeune, j'étudiais Beyoun, un peu le Hallel Mitzri. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi le Hallel qu'on fait? C'est compliqué parce que il y a un Hallel sur le Nes. C'est par exemple Yeshua et la conquérée d'Israël va faire un Hallel. Mais c'est pas les Dorot. Il a fait un Hallel, mais c'est pas les Dorot. Il n'a pas fixé un Hallel pour les générations. Et dans les fêtes, c'est un Hallel sur le Chag. On sait que dans le Chag, il y a un Nes, plus ou moins, c'est-à-dire Shavuot, on célèbre le Nes. Soukot, on célèbre le Nes. Oui, mais ce n'est pas tellement talouyonnes, c'est-à-dire. Ces explications-là, je les ai rapportées, mais ce n'est pas évident, parce que dire que les fêtes, c'est célébrer des Nissim,
C'est pas évident, c'est célébrer une relation avec Dieu particulière. Il est intervenu en notre faveur, ouais. Alors, si tu veux changer le mot nes, tu pourrais dire la même. Ah, Hachem, tu interviens en notre faveur de manière dévoilée. La Torah, la Kavod, je sais pas quoi, ouais. Là, il y a aucun dévoilement divin tous les jours. Donc, de la même manière que, quand maintenant, toute l'année, je suis en train de dire, ah, merci d'intervenir de manière dévoilée, alors quand je vais le faire à Pessah, je sais pas, dis, bon, bah, de toute façon, c'est du pipeau, l'histoire. Donc, ça enlève tout le sérieux de cette expression. Tu viens de m'évaser, ce Mahamad, de dire merci d'Hachem d'intervenir de manière dévoilée envers ton peuple, quand tu le dis tous les jours, que ce n'est pas une date particulièrement, représentative du dévoilement d'Hachem envers son peuple. C'est clair, Jérémy, ou pas? Oui. Et si je vous demande, par exemple, puisque vous êtes là, et Psouké des Imra, c'est quoi? On a fait la moitié, ouais. La nature, on voit que c'est quelque chose de Yom Yomi. Hachem, justement, on a vu tout Hachré, qui est l'introduction et qui est le Ika, ouais. C'est de dire que arrêtez de focaliser sur les miracles. Il y a des choses qui se passent chaque jour. Justement, il y a une Torah un peu de David Améler sur cette Nekouda. D'accord ou pas, Julien? On l'a vu, ça. On l'a vu où? On l'a vu dans le Passouk. Il y a marqué comme ça. Dor les dor et shabar ma'asecha ou gvurotecha yagidou. Ils vont dire, ah, Hachem, qu'est-ce qu'il est fort. La gvura, c'est l'énissime, ouais. Donc, eux, ils sont Meshaber Tema Asecha, Tekvurotecha. Il dit Adar Kevododecha. On a dit que Adar Kevododecha, on avait expliqué, c'était la perfection de la création. Adar Kevododecha. Et après, Vedivre Niflotecha Asecha. Après, quand je vois maintenant la main d'Hachem dans sa bria, ça me renforce aussi dans l'énissime. Eux, ils focalisent sur Ezouz Norotecha Yomeru. Gdoula Techa Sapera. C'est quoi la Gdoula d'Hachem? C'est la Bria, on avait expliqué dans les Rishonim. Donc, c'est Bécard de ce passouk-là qu'on voit la différence entre les gens. Les gens qui voient Hachem, c'est important parce qu'il fait des miracles, comme Dieu, etc. Les miracles disent non, moi, je raconte la Gdoula d'Hachem. Dans le Bechol Yom Veyom, ouais. Aniroé, dans le Massé Bereshit, c'est la Gdoula. Tu as compris ou pas? C'est pour ça qu'il parle de Poter et Tedech Homes Belechol Haratzon, qui nourrit en permanence toute sa bria. Dans le Télim qu'on a vu la semaine dernière, et la pluie, et la neige, et le bouc sur la montagne. Alors, ça l'aide à se projeter dans l'avenir où il y aura une Géoula dévoilée. Ouais. Il commence par Yerushalayim, mais sur quoi il se raccroche aujourd'hui? Il y a des choses à voir aujourd'hui avant la Géoula. Et c'est ça son chevar. C'est sur le Yom Yom son chevar. Ça m'amène. C'est vrai que le Adar Kevod Odecha m'amène à Divrei Niflotecha Asicha. Ça m'amène à me renforcer dans les Nissim Gluim. Ça m'amène à me renforcer dans la Géoula Atida. Mais Yesh Malirot Yom Yom. Yesh Malirot. Donc c'est un chevar de l'intervention cachée d'Hachem, qui va me projeter, bien sûr, sur l'intervention, qui va me renforcer sur les interventions dévoilées. Mais je focalise avant tout sur l'intervention cachée. On continue. Ça, c'était la première explication. Tu te moques un peu. Alors, il y a la question de Julien. Qu'est-ce qu'on fait d'Azachem Moshe? C'est une question, ce qu'il demande, Julien. Qu'est-ce qu'on fait d'Azachem Moshe? T'as compris, Jérémy, la question de Julien ou pas? Oui. C'est un problème avec Hachem Moshe? Alors, je connais des gens qui arrivent en retard, mais mettent son marmire, ils ne disent pas Hachem Moshe. Pas de bitlot 7. Ouais. Allez, Julien, je vais te pousser maintenant. Je vais te pousser. Alors, genre, Julien, il aime bien poser la question, mais après, il aime bien donner la réponse. C'est quoi, devant ce Hallel? Reprends les mots de Rashi. Chez Nevi Marichim, Tiknou, Lomar, Beprakim, Lejvar, Vodaya. C'est-à-dire, dans Halel, il y a une takana. Ouais. Spécifique
à notre relation avec Akadosh Baruch Hu, que je peux altérer en disant tous les jours. Shiratayam, ce n'est pas ma manière d'exprimer, ouais, ma relation, l'intervention divine particulière, puisqu'on le dit tout le temps, justement. Rashi commence par le problème. Sauf, c'est de cette manière-là qu'il faut glorifier les interventions intimes et dévoilées d'un jour envers son peuple. C'est de cette manière-là. Quand tu dis tous les jours, tu as détruit la takana. C'est-à-dire que tu es venu maintenant banaliser quelque chose qui doit être... C'est plus fort. Je disais à un moment donné précis par rapport à. Je sais pas, quand on. C'est un minhag romain. C'est un minhag romain, Bémet. Azachir Moshe Rambam me présente comme étant un minhag romain qui disait après Ishtabar. C'est un F-sec dans le psuké des Imra. T'entends le Rambam? Rambam, il rapporte Yesh minhag be Roma de rajouter Azachir Moshe après Ishtabar. Parce que c'est un F-sec, c'est pas le psuké des Imra, ça n'a rien à voir. Tu la destroy, le psuké des Imra. C'est hors subject. D'après ce qu'on dit, on comprend, c'est qu'après on songeait. Tu dis d'accord, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce que on est d'accord, il demande Julien. Mais pourquoi Birkhlal on le dit? Alors je te demanderais pourquoi Birkhlal on le dit? Parce que dans Gal Israël, on fait référence à la Yam. C'est quelque part, comme on évoque les miracles de Yam, alors c'est Nahana à Gal Israël. C'est ça qu'on dit après Shtabar. Ouais. Gal Israël, on voit qu'il y a le Icar de Gal Israël. Tu te rappelles, on avait expliqué c'était quoi? C'est la liberté, c'est pas les miracles, pas les makot. Gal Israël, tu te rappelles? Non, mais juste, mais oublie Rabbi Noéna, parce que la Gemara elle dit ça. Non, la Gemara elle dit ça. Il dit Icar, Gal Israël, tout le monde que c'est au matin, il n'y a pas de marloquette sur ça. C'est vrai que Rabbi Shimon Levi n'est pas sous mergulé de fila le soir. Pourquoi Rabbi Shimon Levi n'est pas sous mergulé de fila le soir? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il dit Ikar Geoula, c'est le matin. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte le matin. Ouais. Donc la Geoula, c'est la liberté, ce n'est pas les miracles. D'accord? Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que dans le texte de Gal Israël, il explique qu'il y a quand même un Inyan de Geoula le soir. Secondaire. Mais les secondaires, ouais. C'est les miracles, c'est important les miracles le soir parce que c'est un moment d'incertitude, c'est un moment où on a besoin des mounas. Il y a guitre, baboker, hasdecha, ou emunatecha, balelot. On a besoin de cette emuna des miracles. Alors, hasdecha, c'est le matin qu'on est libre. Ouais. Mais la Gemara, elle est claire que le écart de Takanat Gal Israël, c'est pas que Hachem, ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'on est devenu libre. C'est ça le écart de Gal Israël. Hachem, il a fait de nous des hommes libres. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un Yerushalmi qui l'explique, ce n'est pas tellement notre sujet. Je ne veux pas tellement te parler de Hazir Shem Moshe, il faut voir un Yerushalmi. Il y a un Yerushalmi qui explique pourquoi, dans Gal Israël, il y a beaucoup de références à Kriyat Yam Souf. C'est une ouvda, il y a beaucoup de références. Vous rappelez ou pas que dans Gal Israël, il y a beaucoup de références à Kriyat Yam Souf? Je vais vous le faire. Dafka le matin et beaucoup moins le soir. Je vais vous le faire. Quand tu regardes Gal Israël du matin. Non, ça, c'est pas Kriyat Yam Souf, ça. Dafka, c'est une contre-preuve. Il m'a fait comme ça. Hein. Non, Bechorem, c'est pas Yam Souf. Alors, c'est où? Alors, je vais te montrer. Avec plaisir. Il m'a fait comme ça. Voilà, on commence. Emet, Mimitzraim, Galtanou, Hachem, Lekun, Gotavadim, Paditanou. Ouais. Kol Bechorem, Rakta, Ouchro, Israël, Galta. Veyam, donc première étape, c'est le vrai Gal Israël qui nous a sorti. Ouais. On commence par le Ekar. Mimitzraim, Galtanou, ça c'est le Ekar. Ouais. Après, on va rentrer dans le détail. On fait l'historique. Ouais. Et on rajoute, il y a des rajouts. Donc il y a marqué Ouyam Souf, Laem, Bakata. Et là, on insiste, tu vois. Et Vezedim, Tabata. Vididim avruyam, vechesu meim tsarem, echad meim lo notar,
Alzot Shibechu Ahuvim Veromumulael Venadudim Zemirot Shirovetish Bachot Berachot Vodot Lamelech Ravikam Ram Ben Yisrael Gadol Benura Mashpil Geim Ade Aret Magber Shefalin Ad Marom Motzi Asirim Pode Anavi Mozer Dalim Oran Elamo Yisrael Met Shavim Elav. Sur quoi on insiste le plus? Kriyat Yam Suf. On a évoqué qu'Hachem nous a sorti d'Égypte. Il a tué la Bechor, il a épargné les nôtres. Et après, toute une paracha sur Kriyat Yam Suf. T'as remarqué, Julien, ou pas? D'accord, mais sur quoi on insiste particulièrement? Là, on n'a pas juste. On aurait pu dire la manière que Bechorot, on n'a pas dit, et Vélo, elle est des malades. On n'est pas rentré dans le détail de Bechorot, d'accord? Donc, quoi, on est rentré dans le détail? Uniquement dans Kriyat Yam Suf, on est rentré dans le détail. C'est un Yerushalmi qu'il faudra étudier. Makara, Kriyat Yam Suf, pour mettre ça dans Gal Israël. A priori, on n'aurait pas mis ça, non? Hein, d'après la Gemara de Somer Golan et Tfilan, d'accord? C'est hors subject. Peut-être pas, justement. Peut-être que la Geoula, elle était à Yam Suf. Quand elles étaient vraiment libres, c'était à Yam Suf. Et c'est là qu'on a exprimé notre liberté. C'est pour ça qu'il dit. Motzi Asir Podanim, Ozer Delimonim, Bet, Ve'alzot, Shibechu, Aovim, Veromumulael. On est en train de garer l'Israël, d'être des Meshaber Hashem sur la Geoula, Nachon. Matai Asinu Etze, les Shaber et Hashem Bageoula, Lobe Yetziat Mitzraim, Rak Be Azia Shir Moshe. Donc Azia Shir Moshe, c'est le premier Gal Israël de notre histoire. C'est connu, ça. Ça, c'est connu que la liberté, hein, c'est connu que la liberté d'Égypte, ouais, ça commençait par la sortie, mais quand on était libéré de nos oppresseurs et qu'on se sentait vraiment libre, c'est connu que c'est Ashlamat, Ashlamat Agula Siamsouf, ça, c'est connu. Et c'est comme ça que le Kolbo, il explique, c'est pour ça qu'il y a 7 jours de Pessah, jusqu'à Kriyat Yam Suf. Hagagula se termine avec juste le Pessah, c'est le Kolbo. Ouais? C'est connu tout ça, non? Voilà. Et qu'on a été méchaber notre liberté à Yam Suf. Et comme Gal Israël, c'est notre jvar sur la liberté, on évoque le premier de la liste. Ikar à Géoula, c'est qu'on est sorti le matin. Mais le jvar de la Géoula, c'est Yam Suf. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur ça. C'est là où on a pris conscience, c'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a Iminou, Bachem, Moshe, Avdo, Lema, Fréa. Il n'y a pas marqué quand ils sont sortis d'Égypte. Iminou, Bachem, Moshe, Avdo. Mata, Iminou, Bachem, Moshe, Avdo. Après, Yam Suf. Et là, vraiment, ils ont ouvert leurs yeux. Anachnou, Geoulim. Et après, Teila, Teilot, les Dion Goel. Bochum, Moshe, Ouvene, Israël, Lecha, Anou, Shira, Besimcha, Rabba, Vamrou, Choulam, Michamocha. Apprends-nous bientôt dans Hachem la Geoula, Shira Chadasha. Mais en tout cas, tu vois, le Icar du texte de Gal Israël tourne autour de Kriyat Yam Suf. Comme ça, j'ai expliqué, je pourrais avoir trouvé des Mekorot. C'est pour ça qu'on va la dire avant. Ouais, parce que là, on fait référence à elle. Dans Gal Israël, qui est une Chova, on fait référence, donc on va la lire. Et c'est pour ça que d'après le Rambam, on l'a dit juste avant les bras du Kriyat Shema, c'est lié à Gal Israël, c'est pas lié à Psuké des Imra. C'est un problème de mettre ça dans Psuké des Imra. Je trouve un Mefarech qui trouve la cohérence de ça. C'est un problème. Ça renforce la question de Julien. Parce que le Hallel de Psuké des Imra, il n'est absolument pas lié au Nissim. Ça vient dénaturer le Hallel. Chez Becholium, le si tu le mets comme Al-Achana de Gal Israël, c'est un autre sujet. Yallah, gamarnou. Mais il y en a qui avaient le minag de le faire comme Shabbat. C'est très. Il y a plein de minagim dans Azachir Moshe, tu comprends? Il y a plein de minagim. Nous, maintenant, le minag veut dire tous les jours. Ouais. Il faudra qu'on se fasse un youn aussi sur Azachir Moshe. Où est-ce qu'on va écrire dans la Gemara, dans les Midrashim, etc. Les différents minagim, pour mieux comprendre ce truc-là, blinéder. Après qu'on ait fini ce que des Imra, ça a bien complété le tableau. Mais là, pour l'instant, je vais vous faire une petite remarque. Dans Gal Israël, on voit qu'on insiste très lourdement sur ça, que d'après la Gemara, on aurait dû faire complètement abstraction de ça. D'après la Gemara, c'est quoi Ikar Geoula? C'est à Boker Shetsanu Mitzrayim.
on aurait dû dire voilà, Veyatsanu Mitzrayim, Veyayu Anane Akavod, Veyamitzrim Ayu Bemitzrayim Mevoali, décrire ce qui s'est passé ce matin-là, c'est ça, Gal Israël, normalement. Non, juste on dit Mitzrayim. Mais c'est ça, Gal Israël, mon ami! Alors, si on voit le Kolbo qui dit que la Géoula, on l'a ressenti à un tel point qu'on a fait une Shira uniquement à Kriyat Yam Suf, alors on reprend les Gemara Bemet, le Ikar, c'est la Géoula, pas les miracles, qu'on est libre. Et quand est-ce qu'on a senti la liberté à Zachir Moshe? Quand on fait une Shira, notre liberté, on ne peut pas oublier la Shira écrite dans la Torah de notre liberté. C'est pas de la Gemara, de toute façon. C'est pas de la Gemara, oublie. Non, c'est Rama, il dit Minag romain. Ouais, pas de la Gemara. Non, c'est la communauté de Rome, à l'époque du Rambam. Voilà. Donc, il rapporte au Rambam, c'est un Minag qui vient de Rome. C'est pas de la Gemara. C'est un rajout. Et moi, ce que j'ai compris, et j'ai vu écrit dans certains livres, je ne me rappelle plus, c'est pas ce que j'ai préparé aujourd'hui. Donc, c'est au moins 10 ans que j'ai fait ce sujet-là. Mais ce que je me rappelais, ouais, ou que j'ai dit, ou que j'ai vu, ou les deux, que c'est une achana de Gal Israël. Mais ce n'est pas lié à Psouk et des Imra. Comme ça, on voit dans le Rambam. C'est F-sec pour le Rambam. C'est F-sec. Tu finis maintenant Kodesh Atalia et tu fais Shtabar. Oui, on le saute, Azachir. C'est celui que je saute le plus souvent. Ouais. C'est une transition, ouais. Vérer. Ouais, vers David. C'est aussi, il faut que je vous l'explique. Moi, j'ai compris que c'est une transition. J'ai compris que c'est une transition. Mais il y a différentes explications. Ouais, donc c'est pas le sujet du jour. Ouais. Comme ça, j'ai compris. Mais on verra. Si je comprends pas, je peux ne pas faire le stade de la vie. Fais ce que tu veux, Julien. Mais car tu viens lui rechure après, je m'en fous. T'as vu, comme quoi je parle d'un truc, il me prend en otage. Après, les nafkaminot, c'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Je me rappelle que c'était une transition. Ah, tu veux faire une nafkamina. Mais bon, il m'a dit. Alors, je me suis dit, Agave, ta petite question, bêtement, j'ai répondu. Ouais, sans être mounard dans le sujet. Ma chani odea. Que tu as une bonne question sur Azir Shemoshé. Zé Ani Oder. Alors, pour essayer d'un peu te donner des éléments de réflexion, je te dis, d'après le Rambam, ce n'est pas forcément quelque chose que des Imra, et c'est un truc que de toute façon on dit tous les jours à cause de Gal Israël. De toute façon, on dit tous les jours à cause de Gal Israël. Ouais. Et je ne suis pas en train de m'échapper à forcément les miracles, en train de m'échapper à forcément le fait qu'on est libre là-bas. Alors, quand je viens célébrer ma relation privilégiée, elle a des dates particulières. Hachem, pas, il ne manifeste pas sa relation privilégiée tous les jours de l'année. Hachem ne manifeste pas sa relation privilégiée avec son peuple tous les jours de l'année. Mais que maintenant, on est libre, c'est une ouvda continue. Donc, quand maintenant, on va être méchaber sur notre liberté, le texte de Hachem Moshe est particulièrement adapté. Tu comprends la différence, Julien? Le Hallel, c'est de glorifier la présence dévoilée d'Hachem. Mais tous les jours d'Hachem, tous les jours, Hachem ne veut pas manifester sa présence dévoilée. Hachem ne veut pas faire du miracle dévoilé tous les jours. Mais Azachir Moshe, si c'est pour glorifier mon état d'homme libre depuis, c'est quand même adapté. Quand je fais le Halel à Mitzri, je ne suis pas en train de glorifier mon état d'homme libre. Je suis en train de glorifier Hachem, il est là. Il se manifeste à moi, il se dévoile. Tu vois la nuance, Jérémy, ou pas? Comment je réponds à la question de Julien? Azachir Moshe, je viens glorifier un état continue, qui a commencé à Kriyat Yam Suf. Halel à Mitzri, je suis en train de glorifier Hachem, il est là, il se manifeste pour moi. Alors, j'ai fait un texte sur ça aussi. C'est-à-dire que tu comprends bien que le texte que je suis en train de vous lire maintenant, que je vous ai compilé, que je vous ai fait, il va nous amener aussi, quand on aura fini psychologie, à étudier maintenant le Halel à Mitzri. C'est quoi le Halel à Mitzri? On va comparer les deux Halels. Je lance des grands projets, j'espère que je vais y arriver. C'est colossal parce que j'ai déjà essayé de faire le pirouge de la Mitzri. Je suis noyé. C'est très très dur. C'est très très dur. C'est pas
C'est un aller, je vais te dire en deux mots, aller la mitrée, c'est quoi? C'est un va-et-vient entre une glorification de notre Sauveur et on se replonge dans la détresse. On l'appelait à l'aide. Anna Hashem, Oshi, Anna, Anna, Joterana, ouais. Et on dit, eux, ils croient dans les Abodazara et nous, non. C'est un va-et-vient. On est libre. Enfin, Hashem nous a libérés de manière miraculeuse. Ouais. On voit, il a fait bouger les montagnes, il a truc, etc. Ouais, dans le deuxième. Mais c'est Israël, Israël, ouais, etc. Et on se replonge pour bien prendre conscience de l'intervention favorable d'Hachem envers son peuple. On se replonge au moment où on en avait besoin. Donc, c'est un va-et-vient. Pour qu'une explosion, une exclamation de joie, rikshit. Donc, on se replonge. C'est, tu verras, tout un, c'est un va-et-vient permanent. Tu vois, même à la fin, ce va-et-vient, il est encore plus rapproché. Ils ne m'ont pas mis le dans ce bouquin. Je ne peux pas te lire. Vous avez de la chance. L'a échappé belle. Terrible. Comment, si je, et à Roche-Rodèche, comment je vais lire dans ce bouquin, à Roche-Rodèche ? Il est nul. Oui, il n'y a pas. Bon, ça va. C'est ça que Marco, c'est sympa ou pas ? Ouais. Bah, je ne vais pas commencer le petit 2 quand même. On a fait le petit 1. Quoi ? C'est intéressant, non ? Moi, j'aime bien les sujets synthétiques. C'est tellement riche ces textes-là, de Psouké des Imra, de la mystérie, d'avoir avant tout une idée de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Avant d'entrer dans les détails, je pense que c'est impossible de ne pas avoir cette idée synthétique avant de commencer le texte. Quoi. Donc on commence d'abord par Chazal, le regard qu'ils ont porté sur la chose, et après on verra ce que David Ameller il a dit dans les mots. Les oratachem.